Dans cette vidéo, on vous prévient d'avance, nous n'allons pas faire usage du pronom « nous » dans certains cas, car je n'ai jamais vendu mon âme, et comme les mots sont importants, je ne peux pas m'associer avec ce concept. Maintenant, si j'utilise le pronom « si vous », cela ne fait pas référence aux gens écoutant la vidéo, ne l'ayant jamais fait. Fais ce pacte. Alors en parlant de vendre l'âme au diable, je veux en venir au fait d'aller directement comme les célébrités le font et signer avec leur sang sur un morceau de papier, précieux en guise de contrat, qui permet un contact. Enlevez le R et avec contrat, vous avez contact, un droit légal de contact positif ou négatif. Nous allons tenter de vous donner les informations les plus fondamentales sur le sujet, venant bien sûr de ceux dont nous sommes au courant. Comprenez qu'il y a toujours plus. La première chose à savoir est que l'âme est un groupe. L'âme possède de nombreux composants. En tant qu'être humain, nous avons trois constitutifs de l'âme. L'âme interne, externe et le surâme. Cependant, tous les gens, bien qu'ayant une âme, parmi ceux qui en ont une, ne sont pas connectés avec l'âme interne et le surâme. Les gens ayant une âme, mais qui sont programmés, vivent généralement de l'âme externe, c'est-à-dire l'âme responsable de la sensation des tendances souvent animalistiques, car c'est ce sens qui est promu dans la matrice. Par la suite, il existe un second niveau, être connecté à l'âme interne. Nous sommes connectés à l'âme interne dès lors qu'on se rend compte que nous sommes ici pour quelque chose de plus grand, de plus spécial que de faire de l'argent, d'avoir des relations intimes avec le sexe opposé. Savoir que quelque chose de plus grand que cette matrice existe, c'est important, car c'est juste et seulement juste à travers votre connexion de l'âme interne que vous pouvez consciemment vous relier avec le surâme. Débutons avec les choses sérieuses. Si vous avez vendu votre âme au diable, ce n'est jamais trop tard. À la fin, l'entité qui fait office de juge n'est pas l'entité à laquelle vous avez vendu votre âme, mais votre surâme. La question est comment entrer en contact avec votre surâme en ayant soi-disant perdu votre âme. Vous n'avez donc pas le choix. Vous allez devoir faire le passage délicat dans le monde souterrain. Car de toute façon, si vous avez vraiment vendu votre âme, vous êtes déjà dans les basses régions du monde souterrain et astral. Ce que vous devez faire est de rentrer en contact avec la nature, en vivant plus via la nature, votre corps, afin d'augmenter votre fréquence. Vous devez tenter de l'augmenter, car ce qui se passe est que votre âme est tenue et prise en otage par des entités négatives se nourrissant de l'énergie de celle-ci. Chaque fois que vous dormez, l'âme se repose et se régénère. Le truc est que vous n'allez pas vraiment bénéficier de ses bienfaits, car l'énergie est vite absorbée par les entités et le groupe d'entités négatives avec qui vous avez fait le pacte. Donc c'est pourquoi, si une personne a vendu son âme, une personne a moins d'énergie et celle-ci risque d'entrer dans des épisodes de dépression, oppression et possession. Donc oui, afin de répondre à vos questions, les reptiles existent, les grès existent. Ce sont eux et d'autres formes de vie. Certains insectoïdes, d'autres humains se nourrissant de votre âme, des succubus, des incubus. Je les ai vus. Il y en a en ce moment même qui marchent à travers les murs de votre maison. Si vous êtes intelligent et que vous avez investi en vous dans le vrai sens du terme, vous avez à 90 degrés de vous votre corps éthérique vous protégeant de ces trucs. Ils vivent dans les bas-mondes astral 4 à 3 dimensionnels. Donc le surâme permet de faire cela pour vous. C'est votre surâme qui organise vos interventions divines. Par exemple, c'est grâce au surâme que je ne suis plus victime des abductions extraterrestres. Alors oui, ces trucs font peur au début. Mais nous vous disons que si vous mettez tout en œuvre, ces entités ne font plus vraiment peur. Mais une question fondamentale est comment savoir si je me trouve en contact avec des entités positives ou négatives. L'entité négative va vous demander de faire couler le sang de quelqu'un. Éloignez-vous à toute vitesse. Éventuellement, cette entité négative essaiera de faire couler votre sang. Si vous refusez, si vous cessez d'organiser des sacrifices rituels. Comme je sais que certaines personnes tracent des sorts, etc., essaie d'évoquer des esprits. Bien que ce soit votre vie, lorsque nous vous conseillons de cesser la consommation de chair, ce n'est pas pour rien que nous disons cela. Vous aurez moins de cauchemars lorsque vous mangez des choses sacrifiées aux idoles, par le sang donc,
Vous avez en vous les horreurs de ces bêtes, leurs souffrances, leurs peines. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à dormir la nuit? Si votre cœur est trop lourd, vous devez faire des cures de désintoxication. Lorsque vous émergez des bas-monts souterrains, votre cœur est léger, aussi léger qu'un petit poids de plume d'oiseau. Et soyons honnêtes, certains disent que la viande est nécessaire. Donc, lorsqu'il y a une famine de viande, une famine tout court, ne pensez-vous pas que vous serez une cible principale pour des gens ayant ces croyances? Donc, si vous avez signé votre âme au diable, vous jouez à un jeu de sacrifice, vous serez terrorisé. Les gens qui se débarrassent de leur miroir ont peur de regarder leur reflet, mon Dieu. C'est le démon qu'ils voient en eux, sur leur visage. Comment pouvez-vous être effrayé de vous observer? La plupart des célébrités ont leur troisième œil ouvert, sans pour autant être passés par les bases nécessaires afin de vivre ainsi sans perdre les pédales. C'est pourquoi nombre d'entre eux sont sujets à des épisodes de dépression. Remarquez que leurs activités sont toujours faites la nuit, car ils ont peur du noir, et avec raison. Éventuellement, si vous avez signé votre âme au diable, c'est un jeu de sacrifice et vous vous ouvrez potentiellement afin que vous soyez sacrifié vous-même avec une personne plus offrante, plus généreuse que vous, selon les sens du terme satanique. Oui, l'extrait avec Coolio, spécialement si vous avez signé votre âme et que vous n'avez offert personne, heureusement. Ce qui se passe certaines fois, mais prendre la vie d'une personne injustement, à moins que vous fassiez amende, l'âme de celle-ci peut envoyer une prime sur votre tête, pas n'importe laquelle, une fois de plus, une étant spirituelle. Alors la question est, qu'est-ce qui distingue une prime spirituelle d'une prime normale? Une prime normale, mondaine, peut prendre fin par manque d'intérêt des perpétrateurs en question, ce qui est déjà une intervention divine en soi, si vous y pensez. Ou sinon, cette prime peut prendre fin si la partie concernée devant réaliser et organiser l'acte meurt. Ce n'est pas si compliqué. Une prime spirituelle, par contre, n'arrête pas de vous suivre jusqu'à ce que vous adressez la situation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ignorer la situation. Lorsque les gens voient la mort, le portail de la mort, c'est une prime spirituelle. Généralement, la prime spirituelle se termine de trois façons. La personne meurt, la personne ne meurt pas, la personne ne meurt pas et reçoit une intervention divine. Encore vous démontrez à travers vos actions, à travers les équipements de votre âme, que la prime n'a aucun lieu d'être, un mix entre la seconde et la dernière option. La prime spirituelle, vous voyez la mort car la mort vous suit. Il y a une faucheuse qui vous suit. Et vous devez justifier, démontrer, renvoyer cette prime spirituelle. Car la mort n'est pas la mort. Ce que les gens appellent la mort est un événement de mort. Mais la mort est une vraie entité qui peut vous guetter. La mort ne peut vous suivre. Et que vous hantez que si vous vous trouvez dans les basses régions du monde astral. Comment faire? Suivre la loi cosmique, etc. Augmentation de fréquence. Si vous avez signé votre nom, n'offrez personne. Les autres risques sont la venue de des éléments, du feu ou de l'eau, de la terre pouvant vous tuer, c'est-à-dire l'esprit du feu, de l'eau. Ce sont ces trucs qui provoquent les morts surnaturelles, inexplicables. Donc comment faire une fois de plus? Si vous devez adresser l'âme, évidemment, le plus évident, bien que cela paraîtra stupide, pour les éclairer, c'est de prendre contact avec le soleil. De prendre du soleil, car le soleil est en grande partie responsable de la création des âmes. Et lorsque vous faites référence au surâme, vous faites référence au soleil, le fils de Dieu, soleil, SUNSON, même prononciation. Et où est-ce que les vampires ne peuvent se promener? Quel est le pire ennemi des vampires? Le soleil. Les anges du soleil, les anges de la terre que vous croyez que c'est une blague existent bien. Et ce sont ces derniers qui peuvent vous sauver. Allez lire les livres esséniens. Si vous entrez dans le monde de l'industrie de la musique, vous jouez à un jeu de sacrifice. Coolio a réalisé la musique Paradis des gangsters pour le film Esprit Rebelle. Dès que vous démontrez des actions, des pistes d'action de votre vie ayant avec le gangsterisme, vous êtes lié au monde souterrain en tant qu'initié, néophyte selon les termes définis par les Illuminati. C'est ainsi que certains bougent à travers le réseau du monde souterrain et c'est ainsi qu'ils font leur haut niveau de sexe rituel, sans que les gens savent qui a des relations intimes avec qui. C'est une des raisons pour laquelle, si une personne est membre de ce cercle, ils peuvent, tout en étant mariés, avoir des relations intimes avec d'autres gens mariés. Ce sont des accès, des niveaux d'autorisation afin de bouger dans le monde souterrain, pouvoir augmenter votre place hiérarchique dans cette secte.
Alors, ce qui a dû se passer avec Julio est qu'à un certain point, il est resté coincé dans un des rituels auxquels il participait. Ils ont alors sauté sur l'occasion et ont fait un rituel sur lui en prenant en compte les paroles de sa musique et son nom. Une prime a été mise sur sa tête, pas n'importe laquelle, une étant spirituelle. Il bougeait dans le monde souterrain, principalement avec la lettre O. Remarquez que son nom est constitué de trois O. Coolio, COOLIO. De nombreuses lettres représentent des symboles, rites, des points de passage pour le monde souterrain. Alors, dans une telle situation se trouvait le chanteur. Il avait connaissance de certains de ses secrets, mais pas tout. Et vous savez bien sûr que comme il était impliqué dans les orgies sexuelles, et bien en étant impliqué dans le monde du sexe public ou privé, peu importe, vous vous ouvrez à être une victime potentielle de sacrifice. Et lorsque vous avez accès à la clé de la cité, c'est une carte vous montrant comment bouger dans la cité sans vous faire détecter à l'aide de la grille, le réseau souterrain. À titre d'exemple, croyez-le ou pas, ce fut la même situation dans laquelle était impliqué Malcolm X, le scénario du gangster. Comment se déplacer à travers ce réseau et révéler certaines choses à certains temps, à certaines places, à certains endroits, sans pour autant se faire attraper par ce que vous appelez les lettres de la loi. C'est pourquoi je suis en état sauvage contre les extraterrestres. Ce n'est pas ce pays, une question de race. Ils ont essayé de me liquider depuis 10 années au moins. Bienvenue, madame et monsieur. Le chanteur choque. J'ai été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, de cause inconnue. Il avait 57 ans. Celui qui a réalisé la musique, le souterrain digital. Le souterrain digital. Alors je marche afin de prendre un taxi et deux personnes qui ne me connaissent pas disent tout d'un coup, rien ne le tue. Je prends par surprise ma copine dans une conversation téléphonique disant, rien ne le tue. Vous savez quoi? J'ai analysé depuis 1988 huit de mes copines, que la moitié d'entre elles étaient vraiment des copines. L'autre moitié était plantée et insérée dans ma vie.